Premier rendez-vous Ironman de la saison 2019 en France, Aix-en-Provence accueille la version 73 de cette épreuve mythique pour la 9e année. Une course très prisée par les professionnels et les amateurs. Plus de 2000 concurrents veulent goûter à la beauté des paysages et à la difficulté du parcours. C'est un combat qui attend les athlètes, 1900 mètres de natation, 90 km de vélo et un semi-marathon. Un défi qui demande avant tout de savoir rester humble. L'Allemand Andy Boscherer, vainqueur en 2015 et l'année dernière, sera au départ. My name is Andy Boscherer and I'm the defending champion and I'm here to win again. Last year we had a lot of rain. En 2018, la météo a été apocalyptique. Face aux éléments, pros et amateurs étaient à égalité. Antoine Méchin a su résister. C'était rude, quoi, hein, à partir de quasiment la fin du vélo. J'ai bien apprécié la course. J'ai réussi à gagner la course en groupe d'âge et à faire un bon temps final. Ces moments-là, ça marque, en fait. Le soleil est là, le soleil est prévu, un petit peu de vent, mais on devrait arriver à avoir une très, très belle course, ce que mérite vraiment Aix-en-Provence. Pour animer la course, l'Anglais Adam Bowden, vainqueur sur la même distance à Dubaï il y a 3 mois. Son objectif de l'année, les championnats du monde 73 à Nice. Excellent coureur à pied, il sera certainement l'homme à surveiller en fin de compétition. J'espère que la course sera belle et difficile à la fin. Je veux m'habituer à ce genre de profil parce qu'il y en aura au championnat du monde. C'est pour ça que je cours un peu plus maintenant sur des terrains vallonnés, pour être sûr de pouvoir supporter cette course de Nice. Adam Bowden est déjà qualifié pour les championnats du monde. Pour lui, rien de tel que cette Half Ironman du Pays d'Aix pour s'entraîner sur un terrain similaire. My name's Rachel McBride and I come from Vancouver, Canada. Rachel McBride est 3 fois championne de la discipline. Celle qu'on surnomme le Tigre Violet est l'une des meilleures cyclistes du circuit mondial, mais elle pourrait bien surprendre aussi en fin de course. Je fais chaque course pour gagner. Je me sens incroyablement forte, prête à y aller. Je suis très impatiente de tester mes limites, de me lancer sur la course à pied, en sachant que c'est mon point fort en ce moment. Et mes sessions d'entraînement se passent super bien. Emma Pallant arrive à Aix en favorite, vainqueur sur le 73 de Barcelone en 2017 et 2018, et surtout deuxième des championnats du monde 73 en 2017, la Britannique vise la plus haute marche du podium. Évidemment, mon objectif pour demain est de venir et de gagner. La course à pied, c'est la partie que je préfère. Je travaille toujours sur la natation et le vélo. Et je crois que dimanche, il y aura beaucoup de nageurs et de cyclistes de haut niveau. Donc, je sais que je serai en chasse, mais je suis habitué à ça. Je m'appelle Johan Lebert. C'est ma première saison en 73. Spécialiste du duathlon, Johan Lebert fait ici ses premiers pas de triathlète après un hiver d'entraînement spécifique. Sur cette course, je viens prendre de l'expérience et j'espère quand même me rapprocher des avant-postes, peut-être un top 10. Un bel objectif pour une première sur un format longue distance. Sur cette 9e édition de l'Ironman 73 du Pays d'Aix, les maîtres de la discipline ne laisseront personne franchir la ligne à leur place. Un deuxième Allemand sera présent pour l'emporter, Andy Dreitz, vainqueur il y a à peine 2 semaines de l'Ironman 73 de Marbella. Il sera l'homme fort de l'épreuve. Comme Adam Bowden, il est qualifié pour les championnats du monde 73 à Nice. Excellent rouleur, le circuit vélo va lui offrir les ingrédients pour parfaire sa préparation.
C'est toujours la section vélo, mais on va aussi nager dans ce lac. Il y a l'eau qui est claire, brillante et magnifique. C'est tout cet ensemble, en fait, qui rend la course si spéciale. Mais le vélo reste ce que je préfère. Le Français Arnaud Guillou sera notre porte-drapeau sur cette course. Malgré la concurrence, son objectif est de figurer dans le top 10. Le parc à vélo est l'occasion rêvée pour les amateurs de rencontrer les pros de la discipline en personne et pourquoi pas glaner quelques petits secrets. On peut partager des moments avec des professionnels. Et en tant qu'amateur, ça peut être notre première course, notre 10e course. C'est toujours agréable de pouvoir avoir des conseils de pros, quoi. On s'arrête pour photographier les machines des hommes forts, observer les braquets, les roues pleines ou le style de vélo choisi par les pros pour s'adapter au profil de la course. Bertrand Billard est en haut de la liste des professionnels les plus convoités ici à Aix-en-Provence. L'ancien licencié au club du Triathlex, désormais sociétaire de Montpellier Triathlon, est ici à la maison. Il connaît par cœur les routes et les pièges de cette course qu'il a déjà gagnée à 3 reprises. J'espère qu'ils vont continuer à m'encourager, bien sûr. Maintenant, voilà, j'ai tissé des liens affectifs avec tout le club. Donc une bonne partie des bénévoles, c'est la famille, c'est des Aixois, quoi. Donc je les connais depuis 5 ans et bon, j'espère qu'ils vont me reconnaître. L'aube se lève, l'heure des derniers ajustements pour les professionnels. Afin de réussir une belle première transition, les chaussures doivent être prêtes, attachées au vélo. Les chaînes graissées pour que la machine ne lâche pas en pleine course. Après sa victoire l'année dernière chez les groupes d'âge, Antoine Méchain est devenu professionnel. Comme tous les grands champions, il ne laisse rien au hasard. Il contrôle son matériel avant de se jeter dans le grand bain. Côté amateurs aussi, les ultimes réglages se font dans le parc à vélo. On vérifie la pression des roues, on se calme, on se rassure et on s'encourage avant de prendre le départ, direction la plage du lac de Pérols. Première épreuve de cette 9e édition de l'Ironman 73 du Pays d'Aix, 1900 mètres de natation. Pour un athlète, la présence des proches est essentielle. C'est accompagnée de sa mère que l'anglaise Emma Pallant a fait le déplacement. Elle n'a pas de doute sur les capacités de sa fille à se dépasser. Ouais, je sais qu'elle est en forme et elle a toujours fait de son mieux, donc j'ai confiance. 10 minutes avant le départ, on prépare son corps à entrer dans l'eau. Andy Boschreur est prêt pour un départ explosif. Il sait que la bataille sera rude. Il attend le signal. Yeah, it's beautiful. It's wonderful. Oui, c'est beau, c'est génial. Ça va être une grande course. It's going to be a great race. Une minute avant le départ, les secondes s'étirent et semblent interminables. Dans les regards, on lit un mélange de stress et de concentration. Départ en trombe des élites hommes, une trentaine d'athlètes qui ont déjà posé une option sur le top 10, voire sur le podium. Sans surprise, l'excellent nageur Robin Pasteur est parti très fort et prend la tête dès la première bouée. Le vent souffle puissamment en ce début de natation et crée une résistance supplémentaire. Il n'empêche qu'un groupe de chasse se forme pour aller chercher le Marseillais. Julien Pousson, Adam Bowden, Alexis Krug et Andy Boschreur n'ont pas dit leur dernier mot. Deux minutes plus tard, les élites femmes se lancent. Elles sont une dizaine à convoiter les marches du podium. L'anglaise Fenella Langridge impose rapidement son rythme à ses adversaires. Je m'appelle Élise Marc, paratriathlète au Vallon de la Toux. Mon défi à moi, c'est d'être finisher. C'est une course hors norme, quoi, qui est dans l'imaginaire de tout le monde, c'est le Graal. On est tous pareils dans la course avec nos forces, avec nos faiblesses.
En 2004, un accident prive Elise de ses deux tibias. 8 ans plus tard, elle se lance armée de ses deux prothèses et prend goût au triathlon grâce à des collègues. En 2014, elle intègre l'équipe de France de paratriathlon et devient championne du monde dans sa catégorie de handicap en 2017. C'est un défi par rapport à moi-même de me prouver que je suis capable de le faire. Une source d'inspiration pour les 2000 triathlètes qui attendent encore de prendre le départ. Robin Pasteur mène toujours la course devant un groupe de 4 hommes. À ses pieds, le très bon nageur Julien Pousson. Le Britannique Adam Bowden s'accroche avec derrière lui le Belge Alexis Krug. En prenant de la hauteur sur la course, on distingue nettement Andy Boscherer. Moins d'une minute le sépare des 4 leaders. Il fait cavalier seul entre le groupe de tête et le peloton où on retrouve des noms bien connus, Bertrand Billard et le jeune Johan Lebert, Arnaud Guillou et l'allemand Andy Dreitz. Robin Pasteur conserve sa première place jusqu'à la sortie d'eau. Il franchit l'arche en 23 minutes et 2 secondes. Derrière lui toujours Julien Pousson, Adam Bowden et Alexis Krug. « 56 secondes après Robin Pasteur, Andy Boscherer, le grand favori de cette 9e édition, sort de l'eau. Pieds nus sur le tapis, il court en direction de son vélo, prêt pour une transition express. Exactement une minute derrière, David Breuer mène le peloton jusqu'à la transition. 10 triathlètes peuvent encore prétendre à la victoire, tant les écarts sont faibles. » Les femmes en terminent elles aussi et c'est finalement Lee India qui foule le sol en premier après 26 minutes et 10 secondes de natation. 30 secondes derrière, Rachel McBride, la Canadienne, et l'Anglaise Fenella Langridge, 3e de la course l'an dernier. Aujourd'hui, malgré un fort mistral, la météo est plus clémente. La prudence sera de mise. Sur le vélo, la favorite Emma Pallant compte 2 minutes de retard. Sur la première, Lee India, elle a terminé la natation en 5e position. Après le classement femmes et la natation, côté amateur, on plonge avec le sourire pour un temps moyen de 37 minutes passé dans l'eau. Des vagues d'athlètes s'élancent. 6 triathlètes toutes les 8 secondes pour une nage plus fluide et pour conserver de l'espace entre les coureurs. En tout, les départs vont s'étaler sur 45 minutes. C'est une guirlande de nageurs qui s'étend entre les bouées. Bonnet vert pour les hommes, bonnet rose pour les femmes qui représentent 14% des coureurs. Les arrivées s'enchaînent sur l'aire de transition. On retrouve le bitume et il faut maintenant enfourcher le vélo le plus vite possible pour avaler 90 km de route au cœur de la Provence. Robin Pasteur, sorti en tête de la natation avec un peu moins d'une minute sur le vainqueur 2018, conserve son leadership. Après 10 km de vélo, l'Allemand Andy Boscherer est second à moins de 5 secondes de la tête de course. Il suit sa stratégie à la lettre. J'essaye vraiment d'attaquer dans les transitions et d'être seul. Il y a une colline escarpée après 15 km. Je pense que ce sera le premier endroit où je pourrai attaquer. 54 secondes derrière, Adam Bowden, concentré, s'accroche en position aérodynamique sur son vélo. Son but, le poser avec le moins d'écart possible. Notre jeune Français Antoine Méchain est 20e. Comme l'Anglais, il veut réduire l'écart pour jouer sa carte en course à pied. Il y a un peu de stress, bien évidemment. Il y a de l'excitation de partir avec les cadors qui sont très très forts. Donc si je fais dans les 15, ouais, je serais quand même content. Et puis essayer de faire une course complète, quoi. Un objectif présent dans la tête de tous les coureurs professionnels. Pour certains, atteindre le top 10 est aussi important que le podium. La course poursuite est lancée, les coureurs se voient. Tous rêvent de prendre la tête de course et pour cela, toutes les secondes sont bonnes à prendre. Ils avalent les kilomètres dans un effort continu. Chaque relance est importante pour ne pas laisser s'échapper l'adversaire. Il faut gérer l'effort tout en luttant contre le mistral et les aspérités de la route. Une petite erreur peut très vite coûter de nombreuses places à ce niveau.
Ça va secouer un peu sur certaines sections, donc toujours rester prudent et essayer d'aller aussi vite et aussi sûrement que possible. Sorti de l'eau en 13e position, Andy Dreitz a pris le vélo 2 minutes après Robin Pasteur. Après moins de 30 km, il se classe 9e. Grâce à cette spécialité, il a l'intention de remonter le plus de concurrents possible. En tête de la course chez les femmes, India Lee. Elle conserve son avance après sa sortie d'eau en première place. La Britannique impressionne par sa détermination. En 2e position, Fenella Langbridge qui maîtrise le parcours grâce à sa 3e place l'an dernier. Emma Pallant est en chasse, elle tente de combler les 2 minutes de retard accumulées en natation. 5e en sortie d'eau, elle est désormais 3e sur le début du circuit vélo. On attend de voir où elle se situe sur le vélo par rapport aux autres filles. Mon rôle est de lui transmettre l'information, même si ça ne marche pas toujours. Allez, allez, bye, Emma! Ah, super! Elle est dans le groupe de tête? C'est une surprise! C'est une très belle surprise! Emma Pallant réussit à prendre la tête de course. On peut voir à son allure qu'elle prend du plaisir au guidon de son vélo. Derrière elle, ses poursuivantes ne lui laissent aucun moment de répit. La course est rude entre les féminines. Ouais, j'adore ça. Les montées sont superbes. Et je suis pressé de m'y frotter. Les descentes ne sont pas si faciles, mais c'est l'entraînement parfait pour les championnats du monde 70.3 de Nice. Fenella Landbridge n'a pas dit son dernier mot. Elle attaque Emma Pallant dans la descente et récupère la première place. La lutte sur le vélo sera féroce. Chute de Fenella Langbridge. Plus de peur que de mal. Elle s'en sort avec quelques points de suture aux deux coudes, mais elle est contrainte à l'abandon. À l'avant de la course, mano à mano britannique, Emma Pallant et India Lee se disputent le leadership. Mais Emma semble beaucoup plus aérienne lorsque la course se durcit. Elle se confronte à une redoutable adversaire. India Lee peut compter sur son expérience, elle qui a été championne d'Europe 2016. Excellente rouleuse, elle semble en difficulté sur les dénivelés positifs, mais une fois à l'horizontale, elle devient redoutable. Emma Pallant se crispe dans les descentes. La chute de son ancienne partenaire d'échappée a dû refroidir ses ardeurs. La fin de parcours est roulante et il s'agira pour elle de limiter la casse. Le rythme est intense chez les hommes. Andy Boschreur confirme sa supériorité avec une avance confortable de plus de 2 minutes sur Bertrand Billard, qui a fait pression pour se retrouver en seconde position. Malheureusement, il sera victime d'une chute qui lui vaudra l'abandon. Pour la 2e fois en 3 ans, le Français se fracture la clavicule en tombant à vélo. L'Allemand Marcus Herbst donne tout dans les derniers kilomètres. Il est 2e et devance de plus d'une minute ses poursuivants. Après une remontada sensationnelle, Andy Dreitz, vêtu de bleu et blanc, est maintenant 3e. Son poursuivant direct, Arnaud Guillou, est en grande forme sur un parcours qu'il affectionne particulièrement. Adam Bowden est 5e avec plus de 5 minutes 30 de retard sur Andy Boschreur. Excellent coureur, il conserve un atout pour la fin de la partie. Andy Boschreur dépose son vélo et réalise exactement le même temps que l'année dernière, 90 km en 2h 9 minutes 52 secondes. Coup d'œil sur le classement homme après la partie vélo, mais rien n'est encore joué. Chez les femmes, le duel entre les deux Anglaises n'est pas terminé. Aucune d'elles n'est prête à lâcher. Depuis qu'elles ont le guidon entre les mains, elles jouent au chat et à la souris. La 3e, Nikki Bartlett, est à plus d'une minute 30 de ses compatriotes. Emma Pallant et India Lee ne se lâchent plus. Elles arrivent ensemble sur le parc de transition après 3h 28 secondes de vélo. La course à pied sera leur juge de paix. Emma Pallant est efficace et montre à quel point les transitions sont essentielles en triathlon. Elle gagne de précieuses secondes sur sa rivale au départ de la dernière épreuve de cet Ironman. À plus de 10 minutes de la tête de la course, la Belge Catherine Verstuft dépose son vélo à la 6e place. Autre information importante, fille, la Canadienne Rachel McBride a été victime d'une chute sans gravité, mais elle aussi a été contrainte à l'abandon. Fraîche, ouais. Il arrive.
Plus de la moitié des amateurs présents sur cette course Ironman sont inscrits pour la première fois. Eux aussi testent leurs limites, mais ils profitent surtout d'un parcours grandiose sous un ciel radieux. Ils laissent leur monture s'exprimer sur le bitume, mais ne sont pas à l'abri d'un incident de parcours. La Provence dévoile ses charmes au détour des villages et les supporters en liesse sont présents tout au long de la route. On retrouve Andy Boscherer sur la dernière discipline de ce triathlon. Il continue son effort car il sait que derrière lui, l'anglais Adam Bowden est en train de réaliser un exploit. Il est passé de la 5e à la 2e place en seulement 10 km. Andy Dreitz a réussi un superbe vélo. Il est actuellement en 3e position. Il complète le podium homme. Marcus Herbst est le grand perdant de la course à pied. Il est actuellement au pied du podium. À la 5e place, on retrouve le premier français, Arnaud Guillou. Emma Palant a réussi à creuser un écart conséquent. Elle a plus de 5 minutes d'avance sur sa poursuivante, Nieke Bartlett, qui vient de prendre la seconde place. Leur compatriote, India Lee, complète le podium femme. Victoire pour Andy Boscherer, 3e succès sur l'Ironman 70.3 du Pays d'Aix pour l'Allemand survolté. Adam Bowden réalise le meilleur temps en course à pied mais échoue à 1 minute de la plus haute marche du podium. Et une honorable 3e place pour Andy Dreitz qui réalise une course complète. Félicitations à Adam Bowden pour sa formidable performance en course à pied. Il m'a mis beaucoup de pression, je devais courir comme si ma vie en dépendait. Et je suis très heureux d'avoir franchi la ligne d'arrivée juste avant lui. Je pense que j'ai été bon sur cette course. J'ai nagé avec les leaders, je me suis battu pour faire mon propre chemin. Je suis heureux et j'ai été chanceux. Pour la première de sa carrière, Emma Palant a inscrit son nom dans le palmarès de l'Ironman 70.3 du Pays d'Aix. Elle réalise un parcours sans faute en 4h19 et 5 secondes. Après une belle remontée en course à pied, la Britannique Nieke Bartlett s'octroie la 2e place devant sa compatriote India Lee. J'ai nagé seul et j'ai trouvé ça éprouvant et j'étais surprise d'être rapidement sur le vélo. Ensuite, j'ai juste essayé de rester régulière. Globalement, je me suis senti très très bien sur cette course. Je suis si fier d'elle. Je suis toujours fier d'elle, même si elle n'est pas au mieux de sa forme. Mais aujourd'hui, oui, elle a été excellente. Objectif atteint pour le premier Français, Arnaud Guillou. Il prend une superbe 5e place grâce à un vélo solide et une course à pied dans le rythme des meilleurs. Johan Lebert prend une belle 6e place pour son premier triathlon de sa carrière. Objectif réussi également pour Antoine Méchin qui prend la 13e place de cet Ironman 70.3 du Pays d'Aix. Les amateurs, eux, en terminent à leur rythme. Pour ces derniers et ces dernières, le but ultime est avant tout de finir. Nous vous proposons, sans commentaire, une plongée au cœur de cet événement. Je suis heureuse, mais thank you.
milieu des heureux et heureuses Ironmanistes figure Elisa Marc. Elle aussi a réussi l'exploit de boucler ce triathlon. Je suis émue de l'avoir fait parce que c'est une chose de s'inscrire, de se préparer, mais tant qu'on n'a pas franchi la ligne, y a encore tout à faire. Bravo à Elisa Marc et à tous les finishers de cet événement exceptionnel. Il est venu le temps de remercier les organisateurs et les nombreux bénévoles pour cette belle édition de l'Ironman 70.3 du Pays d'Aix. Rendez-vous les 7 et 8 septembre 2019 pour les championnats du monde Ironman 70.3 à Nice.